Ouais, je te petit loup. Et loot. Voilà. Je suis en train de regarder une chaîne YouTube là. Sur. Pas sur l'Alsace, sur Strasbourg, c'est bon quoi. Alors. Bah déjà, laissez-moi vous dire que. Bien entendu, faut pas faire l'amalgame. Vous avez. Au début de l'histoire du Covid, il y avait une vidéo YouTube que j'adorais. Ça commençait comme ça, c'est dans l'anglais. Numbers don't lie. Ça veut dire les nombres ne montent pas. Là, je viens d'allumer une cigarette. Vous avez 10 000 fois plus de chances de mourir parce que vous avez trop fumé ou trop picolé de l'alcool que de se retrouver malheureusement par rapport au drame qu'il y a eu à Nice. Voilà. Donc je sais, comme chante Renaud, l'information pour ces mecs-là, c'est d'effrayer le prolo le bourgeois. À coup de char russe d'Ayatollah, demain fait de qui va faire quoi. J'ai des copains, j'en ai plein, qui sont musulmans, j'ai mon copain Eyup, Karagak, avec qui j'ai travaillé en 2015, ça s'est très bien passé. Je lui repasse un coucou. Je suis avec vous. On peut aujourd'hui très facilement apprendre à vivre ensemble malgré les différences de culture, de religion. Bien entendu, il y aura toujours, comme dit Fabrice Arfi dans son bouquin d'argent et de sang, la guerre. Et à tous ceux qui me demandent, mais est-ce que tu travailles? Je leur répondrai que, donc là, il est minuit 50. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Sinon, faire un pub. Je vais très probablement réouvrir donc ma boîte informatique Netfil. Et en parallèle un garage, parce que je suis mécanicien auto aussi, que j'arrive à réparer un nombre incroyable de choses. Là. Que dire de plus, sinon que là maintenant je vais me réenregistrer sur le site de l'auto-entrepreneur pour ce qui concerne la mécanique auto. Je vais imprimer tout ça, je vais le renvoyer, je le réveiller, j'ai renvoyé pour... l'autre truc là, c'est jamais revenu. D'ailleurs, il y a aussi pour Zalando. J'avais postulé à Zalando et donc demandé le paplard pour le truc de la justice, volet 3, un truc comme ça, parce qu'ils demandent ça là-bas. Et puis curieusement, c'est revenu. Inconnu au bataillon. Philippe Stocker n'existe pas. Pourtant, toutes les réclamations au niveau de l'argent que je dois aux impôts, ça arrive quand même toujours encore. Alors, si j'existe dans un fichier et pas dans l'autre, essaye de faire un regroupement de fichiers, de me faire disparaître dans ceux-là aussi, parce que. Alors là, récemment recommandé avec AR 1380 euros que je dois au fisc. Moi, je vais bien vous les payer si demain vous trouvez un boulot. Et puis, à savoir que donc en 2019, j'ai dû attendre 6 mois pour avoir ma feuille de non-imposition. Résultat des courses, j'ai perdu 3 mois de RSA. Parce que je suis au RSA, je ne le cache pas. Et j'aurais donc dit, 1500 que j'ai perdu à cause de votre lenteur, vous demandez 1380, c'est vous qui me devez 120 euros. It's as simple as that. Bien entendu,
Ne m'envoyez pas un chèque. Moi, les cadeaux empoisonnés, enfin, en cours, vous connaissez mes domiciliations bancaires, puisqu'il y a partout des avis à tiers détenteurs. Tout est bloqué, il y a même une hypothèque sur ma maison. J'aime les impôts, leur clairvoyance, leur multitalent, leur polyvalence. Ah oui, je les aime, je les aime. Ah oui, je les aime. J'aime les visites des huissiers. C'est du Nietzsche, c'est pas du tout. Êtes-vous bien sûr d'avoir rien oublié? Ah oui, je les aime, je les aime. Ah oui, ce qu'on s'aime, j'aime surtout. Je sais plus là. J'aime surtout. Ah, il y a Florent Pagny aussi. Eh, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ta, 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 ta. Et puis il y a le fantastique Georges Carlin. Georges Carlin. That's what about the ruling class operated for. C'est ce à quoi la classe dominante opère. They try to divide the rest of the people. Ils essayent de diviser la population. So they, the rich, comme ça eux, les riches, can go off the money to the bank. And you know what they want? Obedient workers, and these obedient workers continue to elect these rich cocksuckers. They don't care about you, they don't give a fuck about you at all, at all. These are persons of modest being. C'est donc des personnes à situation modeste. Et toujours les petits qui trinquent. Et alors, about the social classes, il dit Georges Carlin, the upper class pay no taxes. Donc, exemple, Serge Dassault, mort 15 jours avant sa condamnation en appel pour fraude fiscale. Serge Dassault, source Élise Lucet et ma copine, qui proposait donc de vendre des avions de chasse en passant par l'île de Malte. Au Bahamas, qu'est-ce qu'on se ramasse? Au Commodore, allez-y, c'est inodore, savez-vous planquer vos sous? Et alors il disait middle class, you pay all the taxes, does all the work. And underclass, c'est-à-dire moi, à l'heure actuelle, puisque je suis au RSA, they are just there. To put the shit in the middle class. On est juste là pour foutre les pédoches à la middle class. Donc cet après-midi, j'étais au Resto du Cœur encore, j'ai vu un gars. Il m'a avoué être SDF, j'ai pris son numéro de téléphone portable. Donc c'est ces gens-là qu'il faut aider. Ainsi que les migrants. Les migrants fuient nos bombes. S'ils sont ici, c'est pas de gaieté de cœur. Hein. Et puis alors, si de temps à autre, il y en a un qui dérape, ben. Je rappelle qu'il suffit de regarder un film qui s'appelle Le nom de la rose. On y voit, bien entendu, c'est il y a 500 ans, on y voit notre Inquisition faire des choses bien. Donc il y a des enfants donc, qui peuvent regarder. Je ne parlerai pas des Rohingyas. Il n'y a pas de pétrole. Là-bas, je ne sais plus trop où ils sont, en Birmanie ou un truc comme ça. Hein. D'où la photo que il m'a zappé en ami Facebook, Paul Willis. If you see me, you was afraid. Because you know what I told about these problems. They was right. And George Carlin was right, and numbers
Donc là, Anne Phillips Talkatoo. On est le vendredi 30 octobre de l'année 2020. Il est approximativement 1 h du matin. À ma brotte. Anne Phillips Talkatoo. Allez. Allez, caca poum. Merde in France. Zéro 6 35 17 65 33. Attention, ils vont me couper bientôt Bouygues Télécom. Arrêtez de me harceler Bouygues Télécom parce que je pense que Monsieur Bouygues il arrive encore à manger. Jusqu'à la fin du mois. C'est pas forcément le cas de ceux que j'ai vus cet après-midi. Resto du cœur à Hirschstein. Et alors le 06 02 34 95 13. 02 34 c'est mémotechnique. 02 34 95 c'est la banlieue. Et le 13 c'est les Bouches-du-Rhône. C'est l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui disait que à Marseille, ça c'est du Canteloup. À Marseille, il n'y avait pas besoin de la Noé pour inventer le Vélib. À Marseille, avec une simple petite pince, Monseigneur, tout le monde a accès à un vélo. Il y a même les filles qui sont en accès libre à Marseille. À la canebière. Endof.